Et c'est parti pour ce match entre Wolfsburg et la Lazio de Rome, le match du titre, le match que tout le monde attendait pour cette dernière journée de la Liga YouTube première saison. Donc voilà, Islam qui est en tête de un petit point, de deux points pardon, devant Maud, et en cas de victoire ou de match nul, Islam serait champion, et en cas de victoire du côté de Maud, eh ben, elle repasserait devant Islam au classement, hein, un petit point devant avec un premier ballon. Attention pour la Lazio de Rome avec dans la surface de réparation, et c'est bien retour de Ottavio, et ça revient derrière avec Antonio qui perd le ballon, et ça donne un premier bon coup franc pour la Lazio. Match au sommet entre deux adversaires redoutables dans ce championnat qui auront mis mal pas mal d'adversaires. Allez, le coup franc tiré à 3, attention, le coup franc est bien tiré, c'était fort au centre pour le gardien, ça revient sur Immobile qui perd le ballon, ça repart devant, bien joué, récupéré avec Zagani, Immobile dans la surface de réparation, Immobile, oh attention pour Zagani qui va ouvrir le score, qui va ouvrir le score pour la Lazio de Rome après 7 minutes de jeu. Et pour l'instant, Islam s'offre un pied pour le titre de champion de la Liga YouTube. 1-0 pour la Lazio. Ouais, bien joué de la part de Islam. 8 minutes de jeu. Maud déjà en difficulté, c'est pas souvent. Elle qui a mis beaucoup de gros scores à ses adversaires. Et là, c'est peut-être le seul adversaire de taille pour elle. Attention avec un Immobile dans sa phase de réparation. Peut-être le 2-0. Non, pour Philippe Andersen. Et ça va faire 2-0. C'est incroyable. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé du côté de Maud cette saison. Qu'elle soit menée 2-0 aussi rapidement. C'est incroyable. Et pour l'instant, Islam conforte sa première place. Prouve qu'il mérite pour l'instant d'être champion de cette Liga YouTube. 2-0 après 12 minutes de jeu. C'est incroyable. Allez, on va voir la réaction de Maud. Avec Arnold. Eh, bon pressing avec Immobile. Sur le côté, Andersen. C'est récupéré. Islam qui est bien dans son match. Elle s'est récupérée. Elle a Maud. On va voir la réaction, évidemment, de la joueuse avec Wolfsburg. Avec un coup franc pour la Lazio. Là, le coup franc est un peu tiré sans trop de conviction, et ça permet à Wolfsburg de se relancer avec Kaminski. Le long pour Brekalo. Brekalo, que va-t-il faire? Bien joué, il est passé Brekalo. Le centre, ça revient sur Mencha, Arnold. Zwamberg. Roussillon, Mbecha. Bien joué. Alors on essaie de faire sortir Islam, Zwanberg, Mmecha. Elle a du mal à passer là. Ouais, c'est hors jeu, non. Elle s'est récupérée. Cataldi s'est récupéré par Wolfsburg. Allez, Maud qui se réveille. Avec Brekalo qui. Le ballon est contré. Et ça donnera un corner pour Wolfsburg. Le corner. Il m'a tiré la tête. Oh là là, superbe arrêt du gardien de la Lazio. Et première belle occasion pour Wolfsburg. Qui évidemment va pousser très très fort. Vu qu'elle est menée 2-0. Immobile. Immobile qui attend. Andersen qui n'a pas pu avoir ce ballon. Et ça donne encore un coup franc. Beaucoup de fautes commises par Maud. Allez, coup franc. Elle s'est encore tirée avec très peu de force. Pas assez appuyé, ça frappe encore. Allez, Andersen. Kaminski. Allez, on joue la 27e minute. Brekalo, Kaminski. Arnold. Pour Roussillon. Wimmer. Roussillon, Mmecha, attention dans la surface de réparation, la frappe. Ouais, la réduction du score. La réduction du score de Wolfsburg. Superbe but de Mmecha. On n'aura pas droit au ralenti, malheureusement.
et ça fait la réduction du score 2-1. Et Maude qui se relance dans ce match, du titre. Oh, attention, ça revient peut-être dans la foulée, non? On savait qu'on allait avoir un match à suspense, un match avec des actions de part et d'autre. Et pour l'instant, on est servi. Et du coup, c'est Maude là qui commence à prendre le dessus, qui se réveille. Ce but va évidemment lui donner des ailes. Allez, bien joué pour Brekalo, MK Miski dans la surface de réparation. Oh, c'est contré, ça revient sur lui. Derrière, attention, la frappe peut-être d'Arnold. Oh, quel but! Quel but de Arnold! De l'extérieur du pied qui va trouver la lucarne. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas le droit au ralenti. Mais en tout cas, ça fait deux buts partout. Et le match revient à égalité donc pour la course au titre. Et même, mais pour l'instant, même avec ce match nul, c'est toujours Islam qui est virtuellement champion de cette Liga YouTube. Allez, attention. Allez, deux partout là, c'est incroyable. Voilà, petite roulette là, tentée par Zagani, mais ballon perdu. Et ça repart avec Wolfsburg qui s'est vraiment bien réveillé. Après ce 2-0, c'est vrai que on a vu beaucoup moins Islam après. Après les deux buts, c'est vrai que Maude a bien repris le dessous. Attention, le centre peut-être. On était pas loin d'une tête, mais bonne défense. Allez, Islam maintenant de retrouver son bon début de match. Car là, il a été mis en difficulté là. Une bonne partie de cette première mi-temps. Maude a mis une bonne pression. Et c'est vrai qu'Islam n'a pas eu de grosse occasion très très franche depuis ses deux buts. Allez, attention. À part les coups francs qui ont été malheureusement mal tirés. Cataldi. Allez, Arnold et Mecha. Brekalo. Arnold. Svenberg. Brekalo et Mecha, bien joué. Allez, alors qu'on est dans les arrêts de jeu et c'est la mi-temps. La mi-temps sur ce score de 2 buts partout. Et pour l'instant, c'est bien Islam qui est champion de cette Liga YouTube avec ce match nul. Donc pour l'instant, eh ben Islam a une chance sur deux dans cette seconde mi-temps. Voilà, un petit but, ça lui assurerait quasiment le titre. Et ce match nul, bah aussi, ça lui assurerait le titre. C'est maintenant à Maude de pousser dans cette seconde mi-temps pour aller chercher ce titre. Car c'est vrai que ces deux joueurs ont été en course-poursuite quasiment tout le long du championnat. Qui avait été donc champion d'hiver avant la trêve de Noël. Et comme on dit en général, celui qui est champion d'automne et bah finit quasiment champion. Et là, ça l'a encore confirmé pour cette première saison de Liga YouTube qui aurait été très très belle. Tout le monde pouvait battre tout le monde. Bon, mis à part Islam et Maude qui étaient vraiment deux joueurs un peu au-dessus de tout le monde. C'était un peu les bêtes noires de chaque joueur. Des grosses surprises dans ce championnat. Des joueurs qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils se trouvent à la place où ils sont actuels. Je pense notamment à Nadou, à Xavier aussi qui de connaissance ont une place assez surprenante dans ce championnat. Mais comme quoi le niveau est quand même assez élevé. Allez, la deuxième mi-temps est déjà lancée depuis une bonne dizaine de minutes avec Svenberg. On n'a pas eu encore de grosses occasions. Brekalo aussi, on a joué sur Wimmer sur le côté. Que va-t-il faire, le centre, c'est contré et on repart sur les mêmes bases pour l'instant dans cette seconde mi-temps où la pression est du côté de Wolfsburg. Attention avec la frappe bien stoppée. C'était dangereux et ça repart pour la Lazio. La Croix. Aussi. Antonio, pardon, je me suis emmené les pinceaux clignons. Anderson sur le côté. Anderson qui est un peu seul, mais il est passé. Anderson, il arrive dans la surface de réparation. Il va peut-être sortir en retrait. Et le bon retour de la défense de Wolfsburg. Alors qu'il va y avoir peut-être un changement du côté de Maude.
Allez, le changement a été fait. La sortie de Marmouche. La rentrée de Marmouche à la place de Brekalo. Allez, le corner. Ouh, ça passe juste à côté. C'est dommage. On n'était pas loin du 3-2. Allez, Bakou. Roussillon. Et Mecha, le buteur tout à l'heure. Mecha, au long pour Kaminski. Oh, la passe est un peu ratée, c'est dommage. Car là, il aurait pu avoir un bon coup à jouer. Et la touche est pour la Lazio. Savigno, Lazari. Cataldi, bien joué ça. En une touche. Et le ballon est perdu. Arnold. Roussillon. Ouais, qui perd le ballon. Et c'est récupéré par Lacroix. Vermeer, Roussillon. Sur le côté pour Wimmer. Wimmer, que va-t-il faire? Le centre de Wimmer. Le beau retour du gardien. Oh, c'est pas terminé, la frappe derrière. Et l'arrêt splendide du gardien de la Lazio pour stopper cette belle frappe. Attention, c'est pas terminé. Avec Ottavio, la frappe. Oula, c'est juste à côté. Le gardien avait hésité à prendre ce ballon. Marudic. Antonio Cataldi. Immobilier qui passe. Immobilier toujours. Immobilier dans la surface de réparation. Le centre. Oh là là, quelle occasion ratée de la Lazio. Et superbe arrêt du portier de Wolfsburg. Oh là là, c'était chaud bouillant. Comme quoi, il peut y avoir le danger d'un côté comme de l'autre. Match équilibré. Ouais, deux joueurs au haut niveau, vraiment. Allez, attention, c'est pas terminé avec Immobilier. Et Immobilier, il est à bout de souffle. Immobilier dans la surface de réparation, mais là, il a plus du tout de puissance, Immobilier. Allez, 72e minute. Et nouveau changement du côté de Islam cette fois. Ouais. Il fait sortir Immobilier. Il l'a senti évidemment fatigué. Et la rentrée de Pedro qui peut être, attention, un excellent joker. La vivacité de Pedro qui peut faire la différence du côté de la Lazio. Allez, on est sur un bon match de titre là, entre Islam et Maud, pour cette première de la Liga YouTube. 10 équipes. Et la deuxième saison qui normalement devrait compter, et bah, 16 équipes pour ce deuxième championnat. Et Islam donc qui remettra son titre en jeu. Allez, attention, avec Consiglieri sur le côté, qui a voulu passer mais n'est pas passé. Mecha, Frangic, Wimmer, Bakou, Wimmer. Allez, Wimmer sur le côté, il a d'espace, il continue d'avancer. Wimmer qui arrive dans la surface de réparation, mais ouais, il n'y avait pas beaucoup de solutions, même au sort, mais il obtiendra un corner. Allez, le corner, tir au point de pénalty, et c'est juste à côté. Ouais, chaque équipe dans cette seconde mi-temps est à sa petite période de domination. Voilà, on est plus équilibré dans cette seconde mi-temps comparé à la première où la Lazio avait dominé les 15 premières minutes et ensuite Maud avait pris le dessus. Mais là, on est vraiment sur une mi-temps un peu plus équitable où on a des occasions des deux côtés. Allez, Alberto. Alberto qui a de l'espace. Alberto qui voit peut-être le départ de Pedro. Pedro, que va-t-il faire Pedro? Pedro qui a failli passer. Il n'est pas passé devant la croix. Guillermo, Wimmer. Wimmer qu'on voit beaucoup sur ce côté là-bas. Oh, bien joué le 1-2. Wimmer qui arrive dans la surface de réparation. Wimmer peut-être pour le 3-2. Oh, la passe ratée. Mais quelle occasion! Quelle manquée de la part de Maud! Oh là là, c'est incroyable cette occasion, mais quel beau retour du défenseur. Parce que là, franchement, c'était le but du 3-2. Allez, c'est pas terminé avec Marmouche et Mecha. Et c'est récupéré, mais là, je pense que Islam a dû
souffler un grand coup sur cette occasion. Oh, attention avec Pedro qui arrive dans la surface de réparation. Pedro peut-être pour le but du titre. Le voilà le troisième but. Le voilà le Pedro. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut être un joker très important. Et il l'a prouvé. Et pour l'instant, c'est bien la Lazio de Islam qui est champion de la Liga YouTube. Oh, c'est incroyable. Alors que quelques minutes avant, quelques secondes avant, Maud a raté ce but immanquable, ce 3-2, et le bon retour du défenseur est derrière quasiment sur l'action d'après. Et ben voilà, Pedro qui vient de rentrer en jeu avec sa vitesse, qui vient faire réussir son face-à-face face au gardien, et pour l'instant c'est bien Islam qui est champion. Incroyable, hein, franchement là en quelques secondes, on passe d'une action incroyable pour le 3-2 pour Wolfsburg, mais non. Et juste derrière, le troisième, et ben le 3-2 finalement, et ben c'est pour la Lazio. C'est juste incroyable. Un vrai match de titre, mais c'est pas terminé. Là, ça va être compliqué pour Mouda de marquer deux buts. Attends, ça c'est pas terminé, peut-être le 4-2 et encore l'arrêt. Voilà. Elle va puiser dans toutes ses dernières forces, je pense. Maud. Allez, avec Marmouche. Marmouche, ouais, le ballon est perdu. On est dans les arrêts de jeu. Et ça sent bon le titre pour Islam. Bravo à lui pour cette première de la Liga YouTube. Et c'est terminé. C'est terminé. Voilà, Islam, champion de la Liga YouTube. Bravo à lui. Victoire 3-2. Il est allé la chercher. Et voilà, Islam qui est donc champion de la Liga YouTube pour cette première édition. Félicitations à lui. Et surtout à Maud qui aurait été, eh ben, une poursuivante redoutable tout le long de ce championnat. Ils n'auront rien lâché les deux, mais ça s'est joué évidemment sur ce dernier match. Le calendrier a fait que bah, le hasard tombe sur cette dernière journée. Mais en tout cas, c'est bien la Lazio qui est champion. Bravo à Islam et bravo pour ce magnifique championnat. Et on se retrouvera pour la prochaine Liga YouTube, la saison 2 donc. Où